si je mets pas de chargeur. Out. Bien joué, mec. Ça me fait depuis tout à l'heure, je fais le tour. Bien joué. Ah, oui, bonjour à tous, c'est Tonton et bienvenue sur cette première vidéo sur la chaîne. Donc une vidéo d'une partie d'Airsoft que j'ai fait dimanche 19 février sur le terrain de la New Team 28 qui est un terrain qui est à côté de chez moi. Et pour la petite anecdote, ce terrain là, je l'ai connu parce que j'ai formé un de leurs joueurs en habilitation électrique. Et en habilitation électrique, je parle de la loi de Joule. Et quand il m'a dit que les Joules c'était une vitesse, j'ai compris qu'il était Airsofter. Et du coup on a discuté Airsoft et voilà, j'ai joué sur son terrain. Donc Florent, je te remercie de m'avoir présenté cette team, d'avoir présenté ce terrain parce que c'est vraiment une team super sympa, ils sont tous sympas, on s'est très bien éclaté. Le terrain, c'est un terrain forêt avec quelques aménagements en palette et je dois dire que ça m'a pas laissé indifférent. Un terrain qui est assez plat, donc pour mon surpoids, c'est quand même assez intéressant parce que du coup, je me suis pas trop fatigué, même si vous allez m'entendre souffler comme Ronflex dans la vidéo. Mais en tout cas, je me suis très bien amusé. Une super équipe, un très bon terrain, une super ambiance. Et franchement, ça, c'est génial. Donc, je tiens à les remercier. Je les embrasse. Donc, la New Team 28 en Eure-et-Loir. Je vous remercie pour cette journée. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et n'hésitez pas à la partager. Et je vous remercie et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Mais un cône techniquement c'est en 3D parce que ça c'est un triangle. Ouais, dégage. Bon les gars, let's go. C'est ici Juliette? Ah putain. Oh putain, faut marcher quoi. Putain, si on avait dit qu'il fallait marcher à l'airsoft, je serais pas venu. Et c'est quoi que vous avez cissé dans un tank transporteur de troupes? Bon Jérôme, on fait une tactique. Ah t'es la même que moi, tiens. On fait une tactique. Tu vas devant. Je vais derrière. Ok. Allez, vas-y. Tu restes devant, comme ça, tu peux bosser beaucoup plus vite. Exactement. Tu restes devant, c'est toi qui as le plus de billes. Moi, j'ai pas beaucoup de billes, tu sais. Putain, faut peut-être que je rajoute un peu de hop-up, mais j'ai la flemme. Alors, vas-y, va bien à découvert. Hein. Moi, je vais prendre par. Voilà. Je vais suivre les habitués. Alors, je vois absolument que dalle. Qui dalle? Contact avant! Jérôme. Deux. Fusil. À droite. Reçu. Putain, je vais me faire tirer. Je vais me faire tirer dessus. Je vais même pas voir. Putain, il est où? Mais ce con, il prévient jamais quand il bouge. Ah, c'est pas le bon plan. Oh, je l'ai vu. Oh, on en a deux. Deux sur ta droite. Deux tangos sur ta droite. Exactement. À peu près 30 à 40 mètres devant toi. Ça marche. Ouais, vas-y, mets-toi à découvert, s'il te plaît. Comme ça, je vais voir d'où ça tire. Putain, il le fait en plus. Ok, devant toi. Ok, je vois. Il est en face. Putain, j'ai trop de hop-up, mec. Il a du cul, j'ai trop de hop-up. La bille, elle s'est envolée. Bon, je vous explique, j'ai pas réglé mon point rouge, j'ai pas réglé mon hop-up. Je le ferai à midi, là j'ai eu la flemme. Voilà. De toute façon, vous entendrez beaucoup de fois dire dans cette vidéo que j'ai eu la flemme. Allez, je le tente. Ok. Un gars qui est parti derrière un buisson. Contact avant! Jérôme, d'ici j'ai une ligne de tir qui est hallucinante. Et j'ai besoin d'un meilleur viseur.
Ouais, il y a un contact. Donc il y a un contact. Oh putain, j'ai jamais sorti. Pauvre merde, va. Pauvre merde. Ok, d'accord. Je vois le contact. Ouais, vas-y. Moi, je surveille le... Je surveille la droite. Alors, je te préviens. Rappelle-toi, je suis myope. Hein. Voilà. Oublie jamais cette information. C'est capital pour ta survie. Ok, tu fais gaffe. Il y en a un qui est juste derrière l'arbre. Il est devant toi. À midi exactement, il est à 40 mètres. Il est en train de s'agenouiller. Peut-être pour faire une petite pipe, mais à mon avis, je ne pense pas. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Déjà. Là c'est balade simulateur, là, randonnée simulateur là. Ok. Est-ce qu'on se parle, on se fait une petite stratégie quoi? Ouais, non, mais tu connais la stratégie, hein. On va monter un truc qui va foirer. Vas-y, dis-moi. Tu vises, tu tires, tu dis. Super, merci. C'est la meilleure phrase que je peux te dire. Je peux pas dire mieux. Est-ce qu'on peut tirer nos alliés et récupérer leurs jetons? Ok. Bon, bah s'ils sont tous à gauche, on va tous en forêt. Allez. Ça va? Ouh! Non, ils ont pas la portée. Mais nous non plus, on n'a pas la portée. Vas-y, bouge. Il est où tout par lui? Contact! Out! Bah oui. Attends, je te le donne. Bien joué, mec. Tu l'as mis dans la fesse.
merci, faut vraiment prendre ces cartes. Je me permets juste de récupérer. Hein, je te remercie. Je m'écarte. Out. 27, 28, 29, 30. Non, non, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Tu m'as touché ou pas? Oui? Tu m'as touché? Tu m'as touché? J'ai pas senti. Tu m'as touché ou pas? Tu m'as touché? Je suis désolé. Vas-y, on part en jeu, j'ai pas senti, je suis désolé. Non, mais y'a pas de soucis, c'est... Non, mais je te le prends pas. Je suis désolé. Cours pour ta vie, cours! Je suis en train de crever les gars. Putain, plus de chargeur. Ok, faut que je reste planqué. C'est un peu le bordel. Ok, ils reviennent. Je sais, mais j'attends qu'ils approchent pour avoir la portée. Petit enfoiré. Ok. Out. 1, 2, 28, 29, 30. Contact arrière! Contact arrière! Contact arrière! Out! Bien joué, mec. Ils ont bien joué, les mecs. Chapeau le contournement. Retour en jeu. Ah putain, dans les couilles. J'ai pris une branche dans les couilles. Jérôme. Jérôme, ils sont deux. Hop. On profite de ce petit moment de répit pour changer de chargeur. Et c'est là qu'ils vont avoir. Hop. Hop. Ça va? T'as cours? T'as cours de quoi? C'est ton flingue qui tire plus? Eh ben tiens. Non mais vas-y, tiens, tiens, continue à jouer. Hein? Ouais, c'est pas grave, on sort. T'es sûr? Tu veux un PA? Sinon, il n'y a aucun souci. Hein. Je les ai perdus de vue. Je sais pas où est l'autre. Ah, il est là-bas. Il est out. Il manque un tout petit peu de hop-up. Je vais laisser mon pote y aller. Tranquille. On va s'approcher. C'est bon, il est out. Jérôme, un out. Mais il y a le deuxième qui est dans les parages. Il est dans la forêt, il est dans la forêt. Vas-y. Ça va? Je t'ai pas fait mal. 19.
C'est bon, je... Ah, c'est toi ? Ah, c'est moi ? C'est pas grave, t'inquiète. Merde, il peut me croûter ! Attends, j'ai du mal à respirer. Je l'ai pris dans le thorax. C'est bon. Ouais. J'ai pris la putain de branche. Ouais. Oh, dans le... Ouais, j'ai pris dans les pieds, ça, je me suis pris dans le bide. Je vais aller me poser. C'est pas grave, ça. Je vais me poser. Tiens, je vais aller me poser en zone de toit. Hein ? Ouais. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Vous voulez, y a pas... J'arrive là devant, tiens. On fait comme d'hab. Hein. Tu vas devant, moi, je suis derrière. Attends, Jérôme. Putain, y'a que nous deux. Out, bien joué. Bien joué. Mais je crois que c'est fini. Il en manque un encore bleu. Je crois que c'est... je suis le dernier. Est-ce qu'il reste un bleu? Ok, fini. Bon allez, je vais en taule les gars. Je vais aller sucer des grosses... par contre, les gars, si vous pouvez éviter d'être nuls, merci. Moi, j'ai tiré juste pour tirer, en fait. Ah, bah, j'ai plus de billets. Ouais, bah, je vais partir avec le... Ouais, je sais pas, je suis perdu, là. Déjà, tu vois. Hein, trop de réflexion, là. Trop de réflexion pour moi. Je le vois. Oh, putain. Il est précis, fais gaffe. T'en as un sur tes 9 heures. Il est en désert. Il a environ 40 mètres sur tes 9 heures. Ouais, bien joué. Il est revenu, il revient. Il est out ou pas? Il est out, ok, nickel. C'est bon, il est out. C'est bon. Ça va? Ok, reste couvert. Bien joué. Bien joué à toi. Donc fin de journée, merci à la New Team 28 pour son accueil. J'essaie de ne pas vous proposer forcément ce qu'on voit un peu chez les autres YouTubers Airsoft. Moi, ce que je voulais proposer, c'est vraiment ma journée d'Airsoft typique. Et donc...
les moments de rigolade, les moments d'amusement. J'espère que le format vous plaît. Quant à moi, je vous embrasse. Je remercie la Nutri28. J'espère les revoir très bientôt. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Et puis à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format. Si je devrais mettre plus d'airsoft, moins d'airsoft, plus de rigolade, moins de rigolade. Ou si le format vous plaît. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse. C'était Tonton. Bisous.